Allons-y. 1, 2, 3, go! Intéressant. On peut le dire. Autant continuer. Mais contrairement au véritable trône de porcelaine, c'est du chocolat, bébé. Il est temps de déboucher. C'est difficile. Il y a juste trop de bonnes choses, je suppose. Waouh, regarde! C'est délicieux. Plus, s'il te plaît. Je veux tout jusqu'au dernier morceau. C'est simplement trop bon pour être gaspillé. Waouh! J'ai déjà fini? Pas de problème. Fais-moi une fondue. Regarde tout ce chocolat. Qu'est-ce que tu fais? Génial! N'est-ce pas? Une vraie beauté. Qui aurait cru que les toilettes pourraient être aussi délicieuses? Du chocolat solide. J'en veux. Attends une minute, je sais quoi faire. Viens voir papa. On y va. Alors ça vient? Il y a du mouvement les gens. Voilà mec. Je me dirige vers la ville du chocolat. Allez, continue. Mange et apprécie mon gars. Regarde, c'est en train de se produire. Youpi! On lâche ses friandises au chocolat. Tu vois? Et elles sont toutes à moi. Il faut les attraper toutes. 5 au total. Mon Dieu, la vie est vraiment douce. Ça valait vraiment la peine d'attendre. Et pourquoi ne pas ajouter quelques vermicelles? Allons-y. Miam. À moi l'honneur. Tellement délicieux. Parfait. Tu en veux? Oui, bien sûr. Pourquoi pas? N'est-ce pas? Attends, toi ou moi en premier? Si tu insistes. Des fraises? Génial! Mais il n'y a pas de chocolat dessus. Dommage. J'adore les fraises! Pas touche, Meg. Attends, je sais! Regarde ça. Oh ouais, bébé! C'est mon tour! Et? Ah! Ne suis-je pas appétissant? Ah! Dégage de là! Prends ça! Dégage de mon assiette, Brian! Dégoûtant! C'était vraiment hilarant! Pas pour moi, Brian! Ouf! Oh! Quoi? Qu'est-ce que c'est que ce regard maléfique? Je suis désolée! S'il te plaît, ne sois pas fâchée! Megan? Je ne peux pas t'entendre. Envie de parler? Problème résolu. Ah! Ne t'inquiète pas, je vais bien. Peu importe, c'était vraiment nécessaire. Oh, tes fraises! Tu voulais du chocolat, c'est ça? Ça me donne une idée épique. Plus petite, s'il te plaît. Voilà, regarde ça. C'est mignon. Maintenant, place à la partie amusante. C'est l'heure du chocolat. Entre là-dedans. Oh ouais, là on parle. Mais je n'ai pas encore tout à fait fini. Fais tomber la pluie. Et juste comme ça, voilà un requin. Vraiment génial. Tu en dis quoi? C'est doux mais acidulé à l'intérieur. C'est tout simplement savoureux. Oh, c'est pas juste. Comment donner plus de peps à cette chose? Réfléchis, réfléchis. Dis-moi, fraise. Oh, vraiment? Ouais, je peux aussi faire preuve de créativité, tu sais. Oh ouais. Allons nager. Regarde tout ça. Ça va être tellement bien. Il est temps de mouler. Et le moment de vérité. Cool! Une petite bête tête de mort. Attends une minute. C'est beaucoup mieux. Ouais! Mords-moi ça! Oh ouais! Si juteux et doux! Youpi! C'est une bonne journée. Ouais? Et puis le médecin a dit qu'il n'y avait rien à craindre. Brian, regarde! C'est une fontaine de chocolat! Hein? T'as vu ça? J'ai du chocolat sur moi! Ah, oh, t'es toute sale! Attends, j'en ai aussi!
Ok, c'était bizarre. Qu'est-ce que tu disais? Wow! Attention! Wow! Où sommes-nous? Prêt à faire ça? Allons-y! C'est différent. Un chargeur de téléphone? Est-ce que tu sais ce qui se passe? Ne me demande pas. J'invente pas les règles. Qu'est-ce que c'est? Je pense que le téléphone essaye de me dire quelque chose. Comment je suis censée manger un téléphone? Je vais essayer quand même. Qu'est-ce qui pourrait arriver de pire? Je veux dire, le chocolat rend tout meilleur. Waouh, c'est plutôt cool! C'est un vrai téléphone en chocolat! Ça sent tellement bon! Je vais goûter! Délicieux! Attends, ça se passe vraiment? Tu manges un téléphone? Eh bien, je suppose qu'il n'y a qu'une chose à faire. Le chargeur va dans le chocolat. C'est sûrement un rêve. Aucune chance que ça marche. Attends, j'y crois pas! C'est fou! Je n'ai aucune idée de ce qui se passe. Mais je m'en plains pas. Délicieux! Et voilà un chargeur de téléphone savoureux. Est-ce que je viens de dire ça? Attends, j'ai une idée. Je veux essayer quelque chose. Je vais le brancher. Donne-moi ton téléphone. J'espère que ça fonctionnera. T'es un magicien ou quoi? Je suis sans voix. Merci, Brian. Je fais juste mon truc. Je pense pas pouvoir le manger. Tiens, prends-le. Tu le penses vraiment? Je vais pas me gêner. C'est délicieux! Mia, attends! Je veux passer en premier. C'est quoi ça? Des vermicelles et une cuillère? Je peux travailler avec ça. Je prendrai du chocolat comme je peux. Délicieux! Tant pis pour mon régime. T'as un petit quelque chose, là. De quoi tu parles? Oups, c'est embarrassant. Je ferai mieux de l'essuyer. Ou j'ai une meilleure idée. Je vais avoir besoin de plus de chocolat. Ça devrait le faire. Je le verserai dans l'assiette. Je vais faire une flaque de chocolat. Je dois nettoyer mes lèvres. Je pense que je suis prêt. Je vais presser mes lèvres dans le chocolat. Ensuite, dans les vermicelles. Je vais attendre qu'ils prennent. Ce sont des baisers chocolatés. Waouh, tes lèvres n'ont jamais été aussi belles. Je vais ouvrir mon plat. J'ai eu une glace. Et c'est à la vanille. C'est tellement simple. Ou pas. Je sais quoi faire. Je vais mettre ma main dans la fontaine de chocolat. Quelle drôle de sensation. Mais j'aime ça. Ça suffit. Maintenant, je vais prendre de la glace. C'est froid. Je vais bien la savourer. Qui a besoin d'un bol? C'est assez dégoûtant, Mia. Je vais mordre ses lèvres. Attends, ça sonne bizarre. Wow, c'est tellement bon. Tu rates quelque chose. Mes lèvres sont si savoureuses. Je te crois sur parole. Je pense que je suis amoureux. Je pourrais la regarder toute la journée. C'est comme une œuvre d'art. Doux, doux chocolat. J'en ai l'eau à la bouche. La fontaine de chocolat a volé mon cœur. Je peux plus le supporter. Je me lance. Oh ouais. J'ai attendu ce moment. Oh, mon cœur, calme-toi. Je suis au paradis du chocolat. J'en veux plus. À moi, à moi, à moi. J'ai jamais été aussi heureux. Je veux tout. Est-ce que tu te sens bien, Brian? Je me sens vivant, Mia, vivant. C'est le meilleur jour de ma vie. Ça commence à devenir bizarre. Je pense que tu devrais faire une pause. Qu'est-ce que je devrais faire? Je dois mettre mes lunettes. Je sais, elles sont sympas. Mais elles ont un secret. Ce sont en fait des pailles. Je vais mettre une extrémité dans le chocolat et l'autre dans ma bouche. Ce chocolat sera à moi. Ça tourne en rond. C'est génial. Quelle journée. Je ne m'en lasserai jamais. Hein? T'as dit quelque chose? Qu'est-ce que tu portes? Alors c'est comme ça, hein? On peut être deux à jouer à ce jeu. C'est comme une super paille. Oh, oh, je vais éternuer. Achoum! Waouh! C'était dégoûtant, Brian! Désolée, je pouvais pas m'en empêcher. Fais comme si t'avais rien vu. Je vais utiliser cette paille. C'est parti pour le super gâteau d'anniversaire de papa! Waouh! Ça va être absolument génial! Regarde ça! Et maintenant, quelques vermicelles. Oh! Vas-y, mets-en encore plus! Et pour finir, la bougie! C'est pas trop mal, hein?
Papa, approche! Joyeux anniversaire! Vous n'avez pas suivi la recette, pas vrai? Je souhaite que vous releviez ce défi! Qu'est-ce qui s'est passé? Bienvenue! Salut! Salut! Il est temps de mettre nos talents de pâtissière à l'épreuve! Waouh! Cet endroit est magique! Je ne te le fais pas dire! Allez, c'est parti! Oh! Waouh! Je commence? Phew! Allez! Waouh! C'est incroyable! Regarde tout ce qu'il y a! Il y a même du colorant alimentaire! Et moi, je ne suis même pas sûre que ce soit comestible! Il va falloir que je sois particulièrement créative sur ce coup-là! Eh bien, je suis contente d'avoir un peu plus que ça pour commencer! Je vais préparer un gâteau! Voilà! Il a déjà une bonne consistance! Maintenant, je vais ajouter un peu de crème, ça devrait lier le tout! Génial! C'est exactement comme de la pâte! Ensuite, je vais me servir de ceci pour obtenir le résultat que je recherche. Tu as une petite idée de ce à quoi ça va ressembler? Bien, maintenant que j'ai une pâte toute verte, je peux commencer à lui donner forme. Je l'aplatis au rouleau et je découpe des formes à l'emporte-pièce. C'est beaucoup plus facile comme ça. Et voilà le travail! On dirait des vrais, non? Bien, passons à la suite. J'ai encore pas mal d'idées. Il me faut encore du colorant alimentaire. Waouh, regarde ça! Cette fois, je l'aplatis bien et je prends ma pâte. J'enroule la pâte dedans et une fois que c'est fait, je vais bien lisser toute la surface pour qu'il n'y ait pas de défaut. Alors, t'as trouvé cette fois? Ouais, c'est ça! Alors, est-ce que cette orange te plaît? Elle a l'air vraiment appétissante. Tiens, tiens! Waouh, je suis sûre que je peux y arriver aussi! Phew, c'est pas évident! Un petit coup de main? Ouais, c'est pas de refus, merci! Ouh. Et si on goûtait un bout du mien en attendant? Waouh, c'est moelleux! Il a l'air tellement bon! Mouah! Je ne vois pas comment je pourrais faire mieux que ça. Phew! Allez, encore un petit effort. Hé! Qu'est-ce que vous en dites? Oh! C'est foutu, je crois. Oh, c'est pour moi? Merci, c'est trop gentil! Bon appétit! Vous savez ce que c'est, n'est-ce pas? Alors, à vous de jouer! Oh! Waouh! C'est un truc de dingue! Je ne sais même pas par où commencer! C'est super! Si je peux me permettre, ça va vraiment être du gâteau! Ils tiennent tout seuls, regarde! C'est joli! Oh mais attends! Je peux mettre tout ce que je veux comme ça! L'aspect est plutôt sympa, non? Trop cool! C'est super! J'adore le caramel! Voilà, j'en suis à la moitié! Pour l'autre, je vais ajouter un peu de couleur. Miam! Encore un peu? Et voilà, c'est ce que j'appelle un chef-d'œuvre culinaire! Oh waouh! Tu n'as pas encore commencé? Oh mince, je n'ai pas vu le temps passer! Je pense que ça fera l'affaire! C'est parti! C'est marrant! Ça chatouille! Mais enfin, qu'est-ce que... Ça donne envie! Est-ce que j'ai l'air d'une belle tarte? Attends, laisse-moi te donner un coup de main. C'est toujours plus sympa avec un peu de couleur. Il manque quelque chose. Mais bien sûr, la cerise sur le gâteau! Un M&M's fera l'affaire. Mettre la main à la pâte, c'est vraiment son truc. Hey, je peux jouer avec elle, moi aussi? Allez, prête-la-moi! Lâche-la, tu vas lui faire mal! Oh non, regarde ce que tu as fait! Oups, pardon! Ce sera votre prochain défi! Après toi! Très bien! Waouh, c'est génial! Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je crois que j'ai une idée.
Accroche-toi bien, ma fille. Excellent. Je vais faire ça moi aussi. Hiya! Génial! Je vais mettre ce plastique pour la protéger. Ah ouais! Je vais faire encore mieux. Attention les pieds. Parfait. Et maintenant, je rajoute du coulis. C'est parti. Waouh, je sens que ça va être super. Aïe! Qu'est-ce que... Oh! Moi aussi, je peux faire pareil, hein? C'est juste que mon gâteau est un peu différent, c'est tout. Je rajoute quelques vermicelles. Pas mal! Oh non, il y a une fuite! Au secours! Ça va être magique! Burk! Attention! Et on soulève! Waouh, ça a marché! Oh non, ça ne marche pas! Mon gâteau est fichu! Parle pour toi! Quelle horreur! C'est de pire en pire! Oula! Waouh, mon gâteau est magnifique! Le tien, en revanche, c'est tout le contraire! Un, deux, trois! Waouh! Attends, il faut que je réfléchisse, là. C'est original. Voyons voir ce que je peux attraper avec ça. Hein? Qu'est-ce que c'est? Je crois que quelqu'un vole dans mes poubelles. Eh oh, c'est ma poubelle! Génial! Ouh, ça va être super. Qui a dit qu'on ne pouvait pas faire du sucré salé? Burk! Ça va super bien avec le verre en plus. Tu ne trouves pas? Miam! Oh, je sais exactement ce que je vais faire avec ça! Tu veux acheter ton ticket de sortie, c'est ça? C'est d'accord! Yes, je suis riche! Ah, j'attendais ça depuis longtemps! Je t'en prie, fais-toi plaisir! Rien de tel que regarder un vrai professionnel faire son travail! Ce gâteau va être merveilleux, ça ne fait aucun doute! Après tout, ces ingrédients sont parfaits pour l'occasion! Waouh! Ça commence à prendre forme, mais c'est loin d'être terminé! Rien de tel que des petites billes de glaçage. Voilà ce que j'appelle un beau gâteau! Yeah! Ça ne va pas recommencer! Et c'était mon repas de la semaine! Rien de tel qu'un cornichon bien juteux. Un tac, un bout ici. Il y a même du rab. Tu croyais que j'avais terminé? Eh bien non, je déborde d'idées. Maintenant que j'ai la forme principale, je vais m'atteler aux détails. Voilà, encore quelques petits traits. Une idée de ce dont il s'agit. Seuls les vrais pros savent faire ça. Ensuite, je vais ajouter ces petits morceaux avec soin. C'est une matière tellement facile à manier. On peut faire absolument tout ce qu'on veut avec. Oups, pardon. Continuons. Et maintenant, deux beaux yeux bleus. Magnifique. Et la touche finale est originale. De la poussière d'or, mon ami. Alors, est-ce que ça te plaît? Mon gâteau ne fait pas le poids face à ça. Hé, je l'ai payé. C'était un marché honnête. Oh yeah! Je vais ajouter ces os de poulet. Ils sont encore vachement bons. Moi, je dis pas de gaspillage. Oh, j'avais presque oublié. Ce sera parfait. Je vais ajouter quelques épices. Après tout, il n'y a rien de meilleur que le tabasco. Et voilà, j'ai presque fini. Il manque un tout petit truc. Oh! Mince, c'est coincé! Ha ha! Pas cette fois! Cette chaussure est à moi! Non! Mon gâteau! Je n'arrive pas à le croire! Bon, eh bien, cette fois, j'ai terminé. Il est original, non? Je crois que je vais vomir. Et le tien fait vachement envie.
Oh chérie, tu as essayé, c'est le plus important. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Oh! On est vraiment obligé? Je suis fatiguée. Waouh! J'ai un gâteau tout prêt et il a l'air très appétissant. Oh, je n'y crois pas, c'est pareil pour moi. On a bien mérité ce petit dessert. Qu'est-ce qu'il se passe? Regarde mes mains! Ah! Ça y est, on est rentré! Fini la cuisine! Oh! Qui n'adore pas le chocolat? Un peu de chocolat améliore toutes les situations. Je pense qu'on devrait peut-être faire quelques expériences pour voir si ça rend vraiment tout meilleur. J'ouvre le tien en premier, d'accord? Ben, ce sont des yeux! Je n'aime pas ce défi. Oh, waouh! C'est vrai que c'est répugnant. Oh non! Et si j'ai aussi des yeux? Ce ne sont pas des yeux, ce sont des pieuvres. Je crois que c'est peut-être même pire. C'est vraiment le pire des défis. On est censé les plonger dans le chocolat? C'est tellement visqueux. Bon, je suppose que je ferais mieux d'essayer. Le chocolat rend tous les goûts meilleurs, pas vrai? J'espère que c'est le cas avec les yeux. J'ai mis autant de chocolat que possible. S'il te plaît, ne me fais pas rire. C'est bon. Oui, ces yeux au chocolat sont délicieux. Essaye une des tiennes. Je suis sûre qu'elles sont bonnes aussi. Mais elles ont tellement de tentacules. Ça me dégoûte. Je ne pense pas que le chocolat puisse y changer quoi que ce soit. Je vais la plonger tout en haut de la fontaine. Tu penses que je devrais y plonger mon nez avec? Ça passerait mieux? Je me lance. J'espère que je ne vais pas mourir. Non, 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 c'est pas bon. C'est mauvais, très mauvais. Je n'arrive pas à croire que tu m'aies fait tester ça. Pardon, je croyais juste comme mes yeux étaient bons. C'est l'heure du deuxième défi. Yes, des mini chamallows. Trop mignon. Quoi? C'est pas du jeu. Pourquoi je me retrouve avec des piments? Regarde, c'est bien mieux que des yeux. Ils ressemblent à de petits nuages colorés. Il me faut une tasse entière de chocolat pour ça. Je dois remplir toute la tasse. Trop bon, ça va être dément. Allez les chamallows, mettez-vous au travail. Direction la tasse de chocolat. Je vais boire un vrai délice. C'est le meilleur truc au monde. Elle a tellement de chance, alors que moi, pas vraiment. Je me demande à quel point ils sont vraiment piquants. Je suppose que c'est le moment de le découvrir. Peut-être que le chocolat me protégera. Je ferais mieux de ne prendre qu'une petite bouchée. Oh non, non, le chocolat n'a pas effet. C'est super piquant, j'ai la bouche en feu. Ah, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Le chocolat! Ma tasse de chocolat va te sauver! Ça a fonctionné? Je l'ai sauvé! Je parie que tu ne sens même plus ta bouche en feu maintenant! Je suis couverte de chocolat! Ok! Un autre! Oh merci mon Dieu! C'est quelque chose que j'aime! Des macarons, j'adore ça. Waouh, c'est un bon défi. Attends, c'est quoi cette odeur? C'est moi? Peut-être mes chaussettes? Beurre, je la sens aussi maintenant. Je crois que ça vient de ta cloche. Oui, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui sent mauvais dessous. J'ai un peu peur de ce qu'on va découvrir. Puant. Oh là là, l'odeur est très puissante. Désolée, mais cette fois, je suis contente que ça ne soit pas tombé sur moi. C'est le moment de tremper mes macarons. Ça, c'est ce qu'on aime. Il va être tellement bon. Si croustillant et sucré. Ça valait le coup de manger la pieuvre et le piment avant. Ah, je suppose que je dois goûter ce fromage puant. Mais pour ça, il va me falloir le bon équipement. La sécurité avant tout. C'est ce que je dis toujours. Et ce sera peut-être bon comme les yeux.
faut vraiment que je mette beaucoup de chocolat. Oh là là, j'espère que ça va suffire. Allez, qu'on en finisse. C'est vraiment comme pour les yeux. C'est bon? Si tu le dis, je vais garder mes macarons. C'est amusant d'avoir quelque chose de nouveau à chaque fois. Oh, c'est beau et ça brille. Youhou, j'adore ces sucettes de sucre pétillant. J'en ai peut-être une aussi. Beurk, c'est largement pire. C'est du poisson. Je ne suis pas une otarie. L'odeur est pire que le fromage. Bon sang, heureusement que j'ai du sucre pétillant cette fois-ci. Et hop, dans le chocolat. Ouais, tout le chocolat. Waouh, ça va être trop bon. J'en prends une bouchée. J'avais raison, c'est vraiment délicieux. Mince alors, si seulement j'en avais aussi plutôt que ce poisson. Désolée ma vieille. Tu veux goûter la mienne? Non merci, il faut que je relève ce défi. Allez, je me lance avec mon poisson. J'ai l'impression que le chocolat ne fait qu'empirer la chose. J'ai tellement peur. J'y vais. Non, je ne peux pas voir ça. Oh, il faut que je le mange. C'est mon destin. Oh, c'est pas mal. En fait, c'est même plutôt bon. Sucré et salé à la fois. Beurk, je vais vomir. Dans ce cas, ça me laisse plus de poisson au chocolat pour moi. Au suivant, on ouvre en même temps. Quoi? Du brocoli? C'est pas juste. Waouh, j'ai eu de la pastèque. Je fais une danse de la joie pour ma pastèque. On dirait que je finis en beauté. Je m'en moque. Hé, hey, j'ai une idée. Vas-y mon brocoli, dans le chocolat. Le chocolat ne m'a encore jamais déçu. Bon appétit. C'est trop bon. C'est vrai? C'est bon? Oui, j'aime le brocoli. Tu veux échanger? Bon, d'accord, si tu insistes. Ouais, ça a fonctionné à merveille. Elle est tombée dans le panneau. À moi la pastèque au chocolat. C'est largement mieux que le brocoli, sans aucun doute. J'ai tellement hâte de manger ça. Oh, c'est le meilleur tour. J'adore. C'est le moment de goûter ce délicieux brocoli. Waouh, ça va être incroyable. Attends. Attends une seconde. C'est pas bon du tout. C'est horrible. Ah, bien fait pour toi. Merci pour l'échange. Oh, je n'arrive pas à croire que tu m'aies piégée. Le brocoli et le chocolat ne vont pas ensemble. Waouh, c'est très joli. Je peux ajouter un petit quelque chose? C'est très bien. Je suppose que oui. Bonjour tout le monde. Joli gâteau, Ellie. Ouais. Mais c'est rien sans ceci. Maintenant, il peut passer des appels. Pas vrai? Personne ne respecte mon gâteau. Oh non! Tout est de ta faute, Jared. Ça suffit. Je sais. Ouais, ça a marché. Waouh, Jared, tu ne sais pas ce que tu dis. Ah oui? C'est de ta faute. Oh, s'il te plaît, arrête. J'ai rien fait. Hein? C'est quoi tout ça? Et pourquoi ce jus? Un vrai régal! Oh, au revoir l'ancien! Bonjour le nouveau! Ouais! J'aime ça! D'accord, mamie! Pourquoi ne pas t'occuper de tes affaires? Très bien! Qu'est-ce que j'ai eu? Ça va, je crois! De la chantilly? Pas mal! Quelle balle aux formes étranges! Hein? C'est comme ça qu'il faut faire, idiot. Si tu le dis. Waouh, super. Et maintenant, je suppose que je dois commencer à mélanger.
C'est amusant. J'ai échoué en tant que grand-mère. Et maintenant, la partie farine du programme. Faites pleuvoir. Youpi! Oh! Ah! Ah! Mamie! Tchoum! Oups! Mes dents! Elles sont parties! Tu veux dire celle-là? Oui! Comment ça a pu arriver? Heureusement que j'en ai toujours en réserve. Wow! Tu vois ça? Voilà! Comme neuf, tu vois? Ouais, t'en crois tes yeux! Je sais! Quoi? Vraiment? Rendons ça intéressant! Prêt? C'est parti! Ce dentier constitue un excellent point de départ et je veux utiliser autant de chantilly que possible. Heureusement que j'ai tout un stock. C'est presque terminé. Maintenant, il faut passer au glaçage bleu. N'est-ce pas magnifique? Je parie que le goût est bon aussi. Et je le saurai bientôt. Et deux cerises sur le gâteau. Ce sont des dents savoureuses. Tu vois, il est certainement unique. Comment suis-je censée rivaliser avec ça? Je ne peux pas faire un gâteau avec du jus. À moins que... Je crois que j'ai une idée. Oui, je sais. Commençons par une part de gâteau plat. On le recouvre de chantilly. Une fois qu'on a fini, déposons une autre part de gâteau. Vient ensuite le glaçage bleu. Et vous l'avez deviné, nous devons tout couvrir. Ensuite, une autre part de gâteau. C'est l'heure du rose. Mais cette fois-ci, nous le recouvrons entièrement. C'est un peu brouillon. C'est là que cet outil de lissage entre en jeu. Il suffit de regarder ces courbes nettes. Il ne reste plus qu'à l'agrémenter d'un peu de bleu. Ça ressemble un peu à une fleur, non? Mais je vais l'aplanir tout de suite. Je n'ai pas perdu la main. J'aime m'amuser un peu, même si c'est sur un gâteau. N'est-ce pas spectaculaire? Regardez! Et j'ai tout fait moi-même. C'est comme une petite oasis sur un gâteau. J'aimerais pouvoir m'y jeter. Hein? J'en crois pas mes yeux. Mamie fait les meilleurs gâteaux. J'adore! Quel est le point commun entre ces deux gâteaux? Ils ont tous deux besoin d'être décorés. Un arc-en-ciel? J'adore les arc-en-ciel. Tant de couleurs. Oh, waouh! Je veux l'ouvrir. Inutile de crier, Jared. Regarde-les. Je me demande ce qu'il y a à l'intérieur. Oh, waouh! Du chocolat. J'ai jamais vu de chocolat rouge avant. Cool! Je peux faire beaucoup de choses avec ça. Comme le mettre sur le gâteau. Je peux utiliser un tas de couleurs différentes. Mon propre petit gâteau arc-en-ciel. Ça fait beaucoup de chocolat. Je veux en goûter chaque part. Magnifique! Tu vois cette beauté? Et le mien? Voyons voir. Qu'en est-il de ceci? Je suppose que je peux faire avec. Première étape. Un joli rose. N'est-ce pas délicieux? Il s'applique aussi facilement que du beurre. Quel beau spectacle! Mais pourquoi s'arrêter au rose quand on peut aussi avoir du bleu? En fait, je veux beaucoup de couleurs. Toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. C'est la fête dans cette assiette, tu vois? J'en suis pas si sûre. Vraiment? C'est pas beau? C'est stupéfiant! Oh, tu m'as bien eu! Regardez ces gâteaux incroyables! Je les mangerais tous si je le pouvais! Regardez cette drôle de chose! Et tout ce chocolat qui met l'eau à la bouche! Tu vois, ils ne sont pas comparables à mes gâteaux! Ils ont un rendu très pro, tu ne trouves pas? Bon, je l'admets! Nous avons tous les deux gagné ce défi! Ça, c'est sûr! Alors, lequel allez-vous engloutir en premier? Mais non! Il a fait quoi? Attends, c'est quoi cette odeur? C'est trop bon! J'en reviens pas! Qu'est-ce qui va pas chez toi? C'est trop bizarre! Je ferais mieux de m'en aller! Hein? Une petite seconde! Ça sent le gâteau! Je vais me régaler! Miam! C'est un délice! Il est super moelleux!
J'ai aucune idée de ce qu'il se passe, mais je m'en fiche. Waouh, je peux goûter? J'ai toujours adoré ce sac. Waouh, ça a l'air bon. C'est une tuerie. Waouh, où est-ce qu'on est? Vous voilà enfin! On va pouvoir commencer! C'est l'heure du défi de décoration de gâteau! Ça va être génial! Attends, je voudrais commencer! Je t'en prie! C'est froid, hein? Regardez ma main! Elle est en train de geler! Oh non! Qu'est-ce que j'ai fait? Tu te sens bien? Mathieu, non! Qu'est-ce qu'on va faire? Il faut que je sauve Mathieu, mais comment? Attendez, j'ai une idée! Je vais l'envelopper dans cette couverture! Ça devrait t'aider à te réchauffer! Non, ça ne fonctionne pas! Ah, réfléchis! J'ai trouvé! Une bonne tasse de thé bien chaud! Vas-y, bois! Oh, comment? Oh, ça m'énerve! Une seconde! Y a quoi sous ta cloche? Tu vas pas t'en servir, j'imagine! Miam, du chocolat! J'ai une idée! Je vais avoir besoin d'une poche à douille. Je vais verser le chocolat dedans, puis je vais l'étaler sur la glace. Je vais mettre plusieurs couches de chocolat. Je voudrais que ça fasse un arbre. La glace va permettre de le figer. Parfait! Maintenant, il faut que je le tourne. Je vais ajouter du chocolat sur le côté. Là, ce sera l'arrière de l'arbre. Je veux qu'il soit en 3D. C'est trop marrant! Voilà, ça devrait le faire. Maintenant, j'ai besoin de mon fouet. Je vais verser du sucre fondu dessus. C'est une méthode facile pour faire du sucre filé. Le vert, c'est parfait pour mon arbre. On dirait des feuilles. Je crois que j'ai fini. Il est magnifique. Oh, c'est vrai. T'es toujours congelé. Tu pourrais arranger ça? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, bien sûr, c'est facile. Bon, c'est pas trop tôt. Merci. Pfiou, je commençais à m'inquiéter. Attends, c'est toi qui as fait ça. C'est super cool. Mais qu'est-ce que je vais faire, moi? Bon, bah, je vais mettre le chocolat en poudre dans cette tasse. Je peux pas faire grand-chose d'autre. Ça sera pas hyper impressionnant. Non, fais pas ça. Pourquoi? J'ai un truc pour toi. Regarde. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de ça? Certains pour saupoudrer le cacao. Ah, ok! Je place le tamis ou la passoire sur le gâteau et j'ajoute le cacao. Ensuite, je le soulève doucement et ça fera un super joli motif. C'est magnifique! Bravo! On a terminé! Waouh! Je suis impressionnée! C'est très créatif, Stacy! Mère Nature serait fière de toi! Et utiliser le chocolat comme terreau! Quelle imagination! Mathieu, quant à toi, j'adore ton dessin! C'est original! Simple, mais efficace. Le contraste des couleurs est très intéressant. Le choix s'annonce d'être difficile. Vous avez tous les deux réussi. Félicitations. Ouais, top là. Ouh, ça fait mal. Oh, il pleut, on dirait. Comment ça se fait? On est à l'intérieur. Oh non, ça va ruiner ma coiffure. T'inquiète pas, j'ai toujours ce qu'il faut. Viens t'abriter. Regarde, un arc-en-ciel. J'adore les arcs-en-ciel. Oh, ça me donne une idée. Regarde un peu ça. Pas mal, non? Je vais m'en servir pour décorer mon gâteau. Je vais le mettre juste ici. Et il est temps de provoquer la pluie. Pour ça, j'utilise du glaçage. L'entonnoir permet de protéger le chocolat. J'utilise des glaçages de différentes couleurs pour créer un arc-en-ciel. Ensuite, je n'ai plus qu'à attendre que ça sèche. Et voilà comment réaliser un merveilleux gâteau. Je suis contente du résultat. Qu'est-ce que t'en dis, Mathieu? Waouh, c'est vachement cool! Comment je vais rivaliser avec ça? Génial, des gâteaux! Ce sont mes préférés! Aïe! C'était quoi? Une balle de golf? D'où est-ce que ça peut venir? Une seconde! Hé! Hey, ça va, je te dérange pas? Oups! Navré! Je file! Ça me donne une idée! Je vais retirer la partie supérieure du gâteau, puis je vais racler la garniture avec un couteau. Je répète le procédé avec plusieurs gâteaux, puis je les écrase. Je veux que ça fasse de petites miettes, comme ça. Maintenant, je vais pouvoir les ramasser à la cuillère. Je vais retirer une partie du gâteau et la remplir de miettes. Voilà, parfait! Ensuite, je vais faire des trous dans une poche à douille. C'est bon! Maintenant, je vais déposer du glaçage vert sur le gâteau
Je fais le tour du trou contenant les miettes de gâteau. Et je pose une balle de golf dessus. Ça, c'est un trou en un. C'est super chouette! Bien, c'est le moment de vérité! À toi de jouer! Vous avez déjà terminé? Waouh, c'est tout simplement magique, Stacy! Quelle imagination débordante! Matthew, c'est très créatif. L'inspiration peut prendre bien des formes. C'est l'heure des résultats. Vous avez tous les deux la note maximale. Wouhou, génial! Il faut qu'on fête ça! Ah, je suis épuisée! Elle va bien? Moi aussi, je ferai bien une sieste. Ouais, on a bien travaillé. Ça me semble être une bonne idée. Je trouve pas de position confortable. Il n'y a rien à faire. Sérieux? Il arrive à s'endormir juste comme ça, lui? C'est pas juste. Peut-être que si je ferme les yeux très très fort... Non, ça ne marche pas. Oh, je sais, je vais compter les moutons. 1, 2, 3, 4... C'est assez ennuyeux. Je comprends mieux pourquoi les gens s'endorment en faisant ça. J'ai l'impression que ça marche, j'ai parlé trop vite. Tant pis, je vais décorer mon gâteau à la place. Oh, de la guimauve! On dirait de petits coussins tout moelleux. Et en plus, c'est super bon. Ça me donne une idée. Je vais disposer les guimauves au bord du gâteau. Puis je continue jusqu'au centre. Je vais remplir les petits espaces avec des guimauves plus petites. Maintenant, je vais mettre du glaçage. Je vais dessiner un visage. Puis j'ajoute une guimauve. Voilà un adorable petit mouton. Hein? Non, non, laisse-moi tranquille. Ne t'approche pas. Ah, où est-ce que je suis? Tu devrais te dépêcher. Ouais, t'as raison. Qu'est-ce que je pourrais faire? Oh, va-t'en. J'ai une idée. Il me faut une fourchette et une poche à douille. Je vais faire des trous dedans, puis je vais la remplir de glaçage bleu. Ensuite, je vais le déposer sur le gâteau. Je vais laisser un espace que je comblerai avec du glaçage noir. Pour les dents, je vais utiliser des guimauves, puis je vais ajouter des yeux. Ça fait un peu peur. Mais j'en mangerai quand même. Waouh, il est super! Hein? Oh, j'oubliais le défi! Oula, ça fait peur, Matthew! Quel contraste! Un joli petit mouton! Je vais donner les résultats. Matthew, c'est gagné! Et Stacy aussi! Je suis trop contente! Vas-y, commence! Oh, waouh! Regarde ça! Ça sent bon! C'est du chocolat blanc! Trop bon! Hé, c'est qui ce beau gosse? Hein? Oh, waouh! Tu es là? Oh, je crois que tu as un admirateur! Qu'est-ce qu'elle est belle! Oh, comme c'est gentil! C'est moi où il commence à faire chaud ici! Oh, et Matthew, décroche! Je venais juste chercher ça. À plus tard. Hein? Quoi? Oh non! Mon chocolat a fondu! Qu'est-ce que je vais bien pouvoir en faire? Une petite minute. Je crois que j'ai une idée. Je vais avoir besoin de cette assiette. Je vais la placer à moitié sur le gâteau et je vais recouvrir l'autre côté de chocolat. Je ne laisse aucun espace. Ensuite, je prends du chocolat noir. Je dessine une paupière, puis une bouche. J'ajoute quelques vermicelles. Ça fera les étoiles. Et voilà. Waouh! Regarde, Stacy. C'est très beau. Bon, à mon tour. Super, des pommes bien fermes. Elles sont toutes fraîches. Je vais en goûter une. Miam, qu'est-ce qu'elle est juteuse. Tiens, goûte-en une. Merci. Vous n'êtes pas supposé manger vos ingrédients? Arrêtez! J'ai peut-être une idée. J'ai un gâteau sphérique. Je vais le recouvrir d'un nappage rouge. Je vais lui faire prendre la forme du gâteau, puis je vais retirer ce qui dépasse. Avec un couteau bien aiguisé, c'est plus facile. Une fois que c'est fait, je vais utiliser cet outil pour peaufiner les bords. Comme ça, ce sera propre et droit. C'est là que ça devient amusant. On va utiliser de la peinture alimentaire. Ça permettra de la faire briller et de la rendre plus réaliste. Pour plus d'effet, je vais asperger le gâteau avec les poils du pinceau. Comme ça, ça fera encore plus vrai. Maintenant, j'ai besoin d'un nappage vert. Grâce à ce petit gadget, je vais découper des morceaux en forme de feuilles. C'est plus facile que de les faire à la main. Je vais le retirer tout doucement et maintenant, je vais les courber, un peu comme de vraies feuilles. C'est assez relaxant, je trouve. Je pense que c'est bon. Je vais rouler ce morceau de nappage pour faire la tige. «
Je vais y insérer un cure-dent et le peindre. Pour ça, j'utilise un marron foncé et un peu de jaune au bout. Et voilà, la tige de ma pomme. Je la place sur le gâteau et j'ajoute les feuilles. J'ai fini! Ah, du café? J'en avais bien besoin. Le temps est écoulé. Voilà nos gâteaux. Cette pomme a l'air très appétissante. Oh, Mathieu, comme c'est beau! Je suis éblouie par votre talent. C'est l'heure des résultats. Félicitations, Mathieu. À toi également, Stacy. On déchire. Je me demande ce qu'on va avoir cette fois. Voyons voir. Hein? Des pailles? Je suis un peu déçue. Attendez une seconde. Qu'est-ce que tu fais? Je vais remplir ce verre de bonbons. Ensuite, je mélange. Je suis un peu perplexe. Et voilà, du sirop! Je vais le goûter. Miam, c'est bon! Je vais soulever ma cloche. Un peigne? C'est une blague? Oh, j'ai une idée! Je vais brosser les cheveux de ma poupée. Elle en a bien besoin. Qu'est-ce qu'il se passe? Peu importe. Elles sont belles, hein? Je vais me peigner aussi! Pendant que j'y suis. Parfait. À qui le tour? Tiens, tiens. Mathieu, pourquoi est-ce que tu me regardes comme ça? Non, Stacy, ne fais pas ça. Je dois le faire. Éloigne ce truc de moi. Arrête. Oh, je viens d'avoir une meilleure idée. Je vais m'en servir pour tracer des motifs sur mon gâteau. Regardez, ça fait des vagues. Je fais la même chose en bas. Et j'ajoute du glaçage. C'est trop beau. Tada! Waouh, c'est super joli! Oh, je sais ce que je vais faire! Je vais verser mon glaçage dans les pailles. Je les remplis à ras-bord. Je verse différentes couleurs de glaçage. Maintenant, je dois attendre que le glaçage durcisse. Ensuite, je vais pouvoir les coller à mon gâteau. Je vais alterner les couleurs et par-dessus, je vais mettre des guimauves. C'est hyper coloré! On en mangerait, pas vrai? En tout cas, moi, oui. J'adore! On s'en est bien sortis. Quant à moi, je décore mon propre gâteau. Oh, joli! Excellent choix de couleurs. Et quelle garniture amusante! C'est un magnifique gâteau, somme toute. J'ai hâte de le goûter. Passons au gâteau de Stacy. Ça me renvoie des images de l'océan. C'est simple, mais magnifique. Vous avez des choses à m'apprendre tous les deux. Félicitations, Stacy! À toi aussi, Mathieu! Voici les résultats finaux. Mathieu a 5 points et Stacy a 5 points aussi. Vous avez gagné tous les deux! Wouhou! On est les meilleurs! Waouh! Quel temps idéal, non? Et le fait que ça tombe sur un jour férié est un pur délice! En parlant de délice, je reconnais ce bruit! Quoi? Non, c'est à moi! Allez, tu peux partager! Ah! Regarde ce que tu as fait! Personne ne le mangera maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Waouh! Mais on est où? On dirait le paradis du chocolat! Regarde ça! Tu peux commencer à manger maintenant? Il n'y a pas meilleure odeur que ça. Ouais, le chocolat au lait. Mais il y a une autre odeur ici. Ça vient de là-dessous. Ce sont des mini-oignons. Tu penses que c'est bon avec du chocolat? J'ai mal à l'estomac, rien qu'à y penser. Et pour moi? Des chamallows. C'est bon, ça. Ils sont énormes. Et ils sont pour moi. Hé! Il n'y a plus qu'assez pour partager. Tu vois? Mais ils vont me servir pour autre chose. Allez, rentrez là-dedans! J'ai les narines trop petites. Voilà. Je ne sentirai pas les oignons comme ça. Il est temps de faire une petite trempette. Ce chocolat est super onctueux. En tout cas, c'est joli visuellement. Je vais en mettre deux couches. Ça semble pas mal. Et je te
te jure que je ne sens que le chaud. Oh mon Dieu! Je ne veux pas voir ça. En fait, c'est pas mauvais du tout. Quelque chose me dit que les chamallows seront bien meilleurs. J'en ai déjà l'eau à la bouche. Oh oui! Pas le moindre goût d'oignon. Et pourquoi perdre du temps? Je vais utiliser une tasse. Ça ira plus vite. Remplis-toi. Ah! Ça devrait suffire. C'est pas joli? Par quoi devrais-je commencer? Je crois que je vais les mélanger. Non! Je me suis mise du chocolat partout. Tu t'es pas raté, hein? La vie est parfois imprévisible, non? Au moins, j'ai de quoi me régaler. Non, attends! Ok. C'est assez intéressant. Ça ne s'accorde pas vraiment avec le chocolat. Après tout, c'est un fruit, non? C'est un peu comme les fraises au chocolat. Je vais en mettre beaucoup. Ça pourrait même être bon après tout. C'est que du chocolat. Oh, la peau est plutôt dure. Je sens à peine le... Oh, si! Ça vient! C'est super amer! Berg! J'aurais bien besoin d'un peu de sauce, mais ce citron fera l'affaire. Ah! Hé! Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Là, c'est déjà plus appétissant. Mais pas avec du chocolat! C'est parti pour la douche! Oh, regarde tout ce délicieux chocolat! J'ai déjà mangé des trucs dans le genre. Il y a encore beaucoup à faire. J'aimerais pouvoir le saupoudrer de noix. Claire a-t-elle perdu la tête? Parfait! Ça devrait suffire! Elle ne va quand même pas manger ça? Je crois que si. C'est un peu comme cette bonne sauce mexicaine. Vais-je réussir à manger tout le seau? Claire! Tu as déjà mangé l'équivalent d'un poulet entier! Je mangerais même les os si je le pouvais! Encore un! Allez, un double! Dire un animal! Un animal affamé! Tu n'es pas encore rassasié? Je crois que j'ai enfin atteint ma limite! Tu devrais peut-être faire une pause. C'est dégueu! À toi! Non, toi! J'insiste! Ok, d'accord! Est-ce que tout ce gâteau est juste pour moi? Je ne pourrai jamais faire passer ce truc ici! Oh. Je sais! Dites bonjour à Minnie, moi! Trop mignon! Je le mets juste ici. Et grâce à cette barrière, je vais pouvoir verser du chocolat sur le dessus. Allez, remplis-toi! Encore un peu. Peut-être que si je monte à l'étagère supérieure... Voilà qui est mieux. Parfait! Attention, mini-moi! Déluge de chocolat! Et il reste bien en place, t'as vu? Mais que serait un gâteau sans cela? Une petite douche de vermicelle! Ajoute de la couleur, hein? C'est presque prêt! Je retire ceci. Cool, chocolat! C'est pas magnifique? C'est le gâteau le plus cool que j'ai jamais vu! Ça a l'air professionnel, hein? Et c'était facile à faire. On le déguste? C'est parti! À la cuillère, c'est juste parfait! Regarde! Tu le fais goûter, s'il te plaît? Quel goût ça? Un goût de paradis! Que penses-tu qu'il y a sous la mienne? Qu'est-ce que je vais faire avec une tortilla? Je crois que je vais avoir besoin de ma spatule. Une simple fente par ici. Et je veux beaucoup de chocolat. C'est bien comme ça. Ne sois pas timide, j'en veux beaucoup! Passons maintenant à la partie la plus amusante. Je dois d'abord étaler tout ça. On dirait une crêpe. C'est déjà appétissant.
Maintenant que j'ai préparé le terrain, il est temps de faire entrer les joueurs. Regarde tous ces bonbons! Je commence par les chamallows, mais que sur un quart. Ensuite, je passe aux M&M's. C'est pas mal, hein? Quelques rubans acides, je vais en mettre une poignée. Et terminons par un peu de gélatine. Et voilà! Prête à déguster, il suffit de plier chaque quartier pour obtenir un magnifique sandwich. Waouh! Tu vas faire une overdose de sucre! Je veux croquer les quatre couches d'un coup! Mission accomplie! Je suis vraiment un génie du goût! Je vais être hyperactive après ça! Bon appétit! Allons-y ensemble! Tada! Claire a eu plus de chance. Ce donut a l'air délicieux. Et le chocolat va le rendre encore meilleur. Ouais, il a l'air encore plus savoureux. Ça fond carrément dans la bouche. C'est pas juste. À moins que, pendant qu'elle est concentrée ailleurs, je vais remplacer cet œuf par celui-là. Chocolat sur chocolat. Elle n'y verra que du feu. Et moi, je vais me régaler. Parce qu'honnêtement, je suis une fan de chocolat. On ne voit même pas la différence avec le vrai. Viens voir maman. Tu vas manger ce truc. Et il y a même de la crème au milieu. Mais Claire n'a pas besoin de le savoir. C'est écœurant. Tu peux manger le deuxième si tu veux. Je devrais peut-être goûter. En fait, c'est peut-être pas si mauvais que ça. Ça va être marrant. Il y en a assez? Peut-être que cela couvrira le goût de l'œuf. Elle le fait! C'est très original. Mais c'est loin d'être mauvais. Je n'arrive pas à croire que je n'y avais jamais goûté avant. Je suis estomaquée. Mais je vais rester avec le mien. Tu aimerais avoir une fontaine de chocolat devant toi en ce moment? Selon toi, quels aliments curieux auraient bon goût une fois trempés dans du chocolat fondu? Pense à partager cette vidéo avec tes amis et abonne-toi à notre chaîne YouTube pour voir d'autres vidéos comme celle-ci.